Bienvenue dans cette émission. Face à nous, nous recevons un invité qui incarne, qui représente un visage politique de l'Afrique sur le plan international, le président de la République du Sénégal, Abdoulaye Ouad. Défini par certains comme iconoclaste, comme novateur, parfois dans ses prises de position jugées par les autres provocateurs. Il représente à contre-courant un autre visage, une autre voie du continent, qui en font un pilier médiatique et un aiguillon des débats qui secouent parfois l'Afrique, notamment cette prise de position sur le dossier libyen. Bienvenue dans cette émission, Monsieur le Président. Bienvenue dans ce Face à nous. Avec le départ du pouvoir par la force du guide libyen, dont vous avez pris. Position dès le départ pour lui demander de partir. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, voilà, j'avais raison et vous êtes satisfait Ou vous vous dites, il y a des enseignements à tirer de cette situation Bien sûr, je dis, j'avais raison. Et beaucoup de gens disent que j'avais raison. La seule chose que je regrette, c'est qu'on ne m'ait pas écouté. Qui ne vous a pas écouté, Monsieur la, le Président L'Union africaine. Parce que, d'abord, Khadafi lui-même, euh, qui m'avait fait contacter par son premier ministre. À quel moment précis Ça, c'était au mois de mars 2000... 2011. Je n'ai pas voulu répondre parce que, de toute façon, pour lui, c'est perdu. J'étais à Dakar et je me préparais à venir ici en France. J'y ai réfléchi, j'étais réfléchi dans l'avion la nuit pour son conseil. Le lendemain, je l'ai appelé. Parce que le premier ministre m'avait dit :« Hadawi veut vous, vous parler. » Parce qu'auparavant, je parlais à son directeur de cabinet. Béchir Salé. – Et donc, j'ai appelé Khadafi, nous avons conversé pendant plus d'une heure et demie. D'abord, je l'ai écouté, m'expliquer euh, les tenants et les aboutissants, vu à sa façon. Et euh, l'essentiel de ce que je lui ai dit, c'est qu'il ne trouverait aucun Africain pour le défendre. C'est exactement ce que j'ai dit. Était-il persuadé du contraire? Non, 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 non. Je lui ai dit qu'il ne trouverait aucun Africain pour le défendre, euh, pour le défendre efficacement, parce que les gens ne lui diraient pas la vérité. Mais que moi, j'allais lui dire la vérité, puisque je ne lui dois rien. Et, et ce ne sont pas les, ceux à qui il a fait quelque chose qui vont lui dire exactement ce qu'il en est. Moi, je lui dis, Khadafi. L'Afrique ne te défendra pas parce que tu n'as rien fait pour l'Afrique. Ça aussi, ça paraît un paradoxe. Il y a des gens qui disent qu'il lui a beaucoup fait pour l'Afrique. Moi, je dis qu'il n'a rien fait pour l'Afrique. Ou tout au moins, il a très peu fait pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique Quelques vieux hôtels rafistolés, 35 km de route au Niger. Mais on ne voit pas un grand projet africain financé par Kadhafi. Mais ça, vous ne lui, vous ne lui avez jamais peut -être, dit quand il était au pouvoir Peut-être des cités pour recevoir des chefs d'État ou des cités pour abriter des gouvernements. Mais tout ça, je lui ai dit avant, <laughs> je ne sais pas si vous m'avez suivi, ce n'est pas la première fois que je me dispute avec Kadhafi. Un jour, pour, puisque nous parlons d'avant, euh, d'abord en, en 2002, 2000, 2002, quand nous avons créé le NEPAD, je lui ai envoyé un émissaire. Je lui ai dit, Kadhafi, je te donne l'occasion de laisser ton nom à l'Afrique. Il faut que tu débloques 2 milliards de dollars ou 3, que tu finances des grandes infrastructures comme un train continental ou une route transcontinentale ou des choses comme ça et tu laisseras ton nom il a dit ah c'est formidable c'est la première fois qu'on me donne un aussi bon conseil il n'en a rien fait évidemment les, je n'ai pas la même la même échelle d'appréciation que les autres chefs d'État donc, donc on revient donc, à ce coup de fil donc que vous avec avez... ce coup de fil à cet instant quels rappeler, sont les conseils je lui ai que... rappelé qu'il avait fait beaucoup de promesses et que de toute façon n'ayant pas réalisé grand chose ou à, ayant peut-être fait quelques petites choses pour certains chefs d'État, il ne fallait pas qu'ils s'attendent à ce que l'Afrique le défende comme elle devrait le faire. Il y aurait peut-être des protestations, et c'est ce qu'on a vu. Ai lu les Haddafi, il faut que tu ramènes en Afrique les milliards de dollars que tu as dans les banques européennes et américaines, et qui ne servent qu'à qu l'Occident. Alors que si elles étaient déposées dans nos banques, elles seraient recyclées dans notre économie. Et je lui ai dit, moi je te le dis parce que d'abord, je ne te dois rien. Et ensuite, tu sais, Kadhafi, moi, je n'ai pas de compte à l'étranger. Je n'ai pas d'argent à l'étranger. Il m'a dit, moi aussi. Alors je lui ai dit, non, il m'a dit, non, la Libye a de l'argent, mais moi, Kadhafi, je n'ai pas d'argent à l'étranger. Donc après cette conversation, j'ai décidé d'aller à Benghazi, mais invité par... Euh, les, les membres par le président qui avait, qui avait demandé à son représentant à Paris et à Mansour de m'appeler pour m'inviter. Euh, les termes dans lesquels ils m'ont invité étaient très personnels. Vous êtes un grand leader international, vous êtes un grand Africain, vous êtes l'un des rares chefs d'État à ne rien devoir à Kadhafi. C'est eux qui me l'ont dit, donc nous avons besoin de vous. Parce que nous sommes sûrs que vous allez lui parler très franchement, et ensuite vous avez un rôle à jouer. Nous, nous comptons sur vous pour venir nous aider à établir la paix avec Radavi, à lui parler, etc. J'ai profité de l'occasion d'être en Libye, d'utiliser la télévision euh, libyenne de Benghazi, parce que j'étais sûr que Radavi l'a regardé, regardé. Pour m'adresser directement à lui. En lui disant, Kadhafi, c'est fini, fini, il faut que tu acceptes de partir. Il ne vous a pas appelé après ce message Entre euh, notre première conversation et mon voyage, ma, ma mission à Benghazi, il m'a appelé deux autres fois. Et euh, donc, je lui ai dit, il faut partir. Et à ce moment-là, nous, nous allons préparer ta sortie. Parce que maintenant, il ne faut pas rêver, c'est fini. Tu ne peux pas avoir le monde entier contre toi, avec l'Europe, l'OTAN et prétendre revenir au pouvoir comme cela l'était. Bien sûr, il ne m'a pas écouté. Et euh, à l'Union africaine, je vais aussi très vite, au j'ai repris la même thèse dès le départ, et j'ai proposé à mes collègues un schéma pour sortir de la situation. Je leur ai dit, si nous ici, tous ensemble, parce que vous savez tous ici que Kadhafi va quitter le pouvoir, vous le savez, même si vous ne le dites pas. Le rapport de force est tout à fait inégal. Si nous tous nous demandons à Kadhafi de partir, et ensuite nous demandons à l'OTAN et à Sarkozy d'arrêter les bombardements pour nous permettre de voir comment Kadhafi va sortir, il est certain qu'à ce moment-là, il y aura un cessez-le-feu. Les Occidentaux respecteront le cessez-le-feu. J'ai été entendu par quelques chefs d'État, le Gabon qui m'a soutenu, le Rwanda, la Gambie et les autres ont toujours pris les positions traditionnelles. Condamnant l'OTAN. L'OTAN n'a pas le droit de, de faire ceci, n'a pas le droit de faire cela. Euh, la résolution du Conseil de sécurité ne donne pas le droit d'utiliser la force, en fait, etc. Je l'ai réuni, mais je suis désolé. Vous avez voté cette, cette résolution parce que nous y sommes représentés au Conseil de sécurité. Et vous ne l'avez pas lu parce que la résolution dit qu'il faut utiliser tous les moyens. Tous les moyens, ça n'exclut pas donc. Euh, vous donnez un certain nombre de pays qui soutiennent, parmi lesquels l'Éthiopie d'ailleurs, puisque c'est dit Sabela aussi, faut pas l'oublier. Mais Absolument. vous êtes juriste, vous avez été élu et vous êtes arrivé au pouvoir avec une vision pacifique de la société, de la politique. Vous ne trouvez pas normal que tout le monde se pose la question comment le président Abdoulaye Wade peut cautionner et accepter des actes de guerre? Ou retirer un dirigeant du pouvoir. Vous savez, simplement parce que ces gens ne sont pas dans ma logique et ils ne me connaissent pas, peut-être qu'ils me lisent très mal, moi je suis un libéral, fondamentalement défenseur des libertés et des droits de l'homme. Et j'ai dit depuis déjà des années, alors que j'étais dans l'opposition, que j'admettais le droit d'ingérence. Là aussi, c'est une de mes singularités. Parce que j'avais estimé à l'époque que des chefs d'État élus S'était maintenu au pouvoir en aménageant des soi-disant élections, mais en tout cas avait confisqué le pouvoir. Et j'avais soutenu la thèse que, avec ce système, il n'y a jamais de changement en Afrique. Et qu'il fallait admettre la possibilité d'une force extérieure intervenant, justement pour mettre fin à de telles situations. Toutefois, 42 ans de pouvoir. On le déloge avec euh, plus de 20 000 morts. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que cette nouvelle ligne politique euh, qui consiste à dire que c'est la loi du plus fort, la loi des armes, qui doit désormais s'imposer Il y a un risque de dérive quand même. Moi, je ne vois pas les choses comme ça, vous savez. Je suis un anticolonialiste. Toute ma vie, j'ai lutté pour l'indépendance. Euh, donc, euh, je n'ai pas besoin de plaider euh, pour euh, réaffirmer ma position sur la lutte anticolonialiste et même sur la domination post-indépendante. Dans ce cas particulier, valait-il mieux laisser le dictateur qui était là, qui avait commis beaucoup de crimes, et les crimes de Kadhafi. Je suis le seul en Afrique à en avoir parlé. Le Corby, faire sauter un avion dans lequel il y avait des femmes et des enfants, faire sauter l'avion d'UTA en tuant des Africains, dont un Sénégalais. Je suis le seul. Alors, cela veut dire que... Même si j'ai de bonnes relations avec un chef d'État comme Khaddafi, il y a des choses qui sont inacceptables. Alors, le même Khaddafi a amené la guerre en Afrique, en Ouganda, au Tchad. Et en quoi faisant Tous les jeunes Africains qui essayaient de traverser le désert, quand on les prenait, quand ils arrivaient sur le territoire libyen, on les embarquait dans l'armée islamique. Et c'est cela qu'il envoyait faire la guerre à d'autres États. Alors, cet homme-là, en vertu de... Moi, je ne peux pas le défendre. Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas le sentiment que l'ensemble de ces récriminations n'arrive pas à atténuer les conditions dans lesquelles il est parti du pouvoir Est-ce que vous pensez que réellement, la défense, les Occidentaux, ont agi de manière respectueuse Alors, Sur ce plan, je vais vous dire quelle était ma position exacte. Moi, j'ai condamné l'intervention de l'OTAN, au départ. J'ai condamné. Dit, je dis, je ne suis pas d'accord. Que l'OTAN intervienne. Et après, j'ai évolué, j'ai dit que l'OTAN détruise encore des objectifs militaires. En Libye, cela peut se comprendre, puisque Kadhafi utilise les armes pour euh, détruire des civils. Mais la condamnation de Tripoli, j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Parce que Tripoli, ce n'était plus. Euh, C'était plutôt la, la vie de Kadhafi qui était, qui était visée. Il a pas autre chose. nous verrons dans la deuxième partie de cette émission quelles sont les conséquences de ces positions pour l'union africaine quel est le futur de, de ce continent quel est le regard de nos dirigeants et de, leur, et de ces leaders africains qui nous dirigent ont ils cette capacité à surmonter leurs divisions pour véritablement adopter le cycle de l'union africaine à tout de suite?